Bon Simone qui a envie de visiter nos patrimoines mondiaux, Aldabra, et les autres îles éloignées, pas besoin capable d'arriver là-bas beaucoup plus vite, de moins qu'il des eaux. C'est pas possible, là, qu'il y ait un nouveau service qui la compagnie Ocean Charters, puis elle commence vers le commencement de nord. Ça donne l'expédition pour faire par un nouveau bateau, Adventurer, un bateau historique qui établit un nouveau record pour faire les tour du monde dans 74 jours. Ce service est expecté commencer plus bonnet salonné, mais une retardée à cause d'activités bonnes pirates et aussi bonnes suites. Il y en a plusieurs mois déjà depuis qu'Adventurer, qui est Trimaran, il commence à traser dans la mer Sicile. Et Trimaran est un bateau qui a trois supports, comparé avec un catamaran qui a deux. Si tu suives derrière la course de Charles Regatta, peut-être tu es capable de remarquer ce bateau que tu peux transporter dans l'équipe la presse. Adventurer marche avec machine. Et ils font partie de la flotte de la compagnie Ocean Charters, qui aussi compris les trois Africains avec un bateau la voile. Les autres bateaux transportent clients de Salatoma et Banzil Pro, ces îles amirantes, mais Adventurer desservit Banzil beaucoup plus loin de la Cipil Sicile. Le temps nous voit ce bateau Adventurer qui est type charter ici d'Afrique, nous tient une négociation avec son bon propriétaire. Et présent, on a un contrat management sur Ocean Charters, on a un contrat management avec sa la compagnie. Les bateaux ils viennent baser ici pour une période temporaire pour voir comment le business est massé. Et si le business il take off bien, then nous allons faire l'arrangement pour le bateau rester plus longtemps. Déjà, il y en a plusieurs les autres compagnies et bateaux charter ici qui amènent visiteurs de bonnes îles éloignées. Même si la fortune dit qu'il n'y a plus pas un gros bateau qui dit qu'il n'est capable de rester à bord, il y a un bateau à voile qui prend 4 à 5 jours pour arriver là-bas et même quand c'est le temps pour retourner. Les autres voyages aussi sont capables de retarder dans les conditions de temps adverses, telles que dans le gros divan 28. La compagnie Ocean Charters n'a alors souvent nécessité pour satisfaire les demandes de notre clientèle qui préfère un bateau machine qui est beaucoup plus vite. Adventurer est construit justement pour faire face avec sa bonne condition de temps et il aussi a décrit comme très économique. Il part vite par un speedboat. Par exemple, 4 cocos, il y a le plus vite qu'il est. Mais seulement, lui, il est capable de soutenir un speed à peu près 17-18 nains. Il est capable à sa vitesse pour une semaine avec son économie fuel qu'il en a. Tandis qu'un bateau par 4 cocos, si nous comparons, il n'est pas capable de faire sa vitesse pour une semaine. Il peut besoin de refuel de semaine. Et après, son design et son construction est tel qu'il fait les coupes à travers la mer, coupes à travers la houle, qui, même quand on a gros la mer, il est still capable de maintenir sa vitesse, qui ben les autres bateaux ordinaires, les autres pour besoin de ralentir plus doucement dans sa grosse condition de la mer. Pour sortir marée pour l'Aldabra, par exemple, il peut prendre moins que 48 heures de temps, à peu près 40 heures de temps. So, moins que 2 jours, il peut arriver à l'Aldabra. Et il n'a pas besoin de refuel, il est capable de tourner, il est capable de faire des voyages à l'Aldabra, aller tourner sans refuel. Et par exemple, il servit une petite machine pour un bateau sa grosseur. Et c'est ça qui fait lui très économique. Adventurer y a un équipage 5 personnes et capable pour 45 personnes à la fois, loin exquis sur la zone. Mais pour bon voyage, que le passager besoin de passer la nuit le bateau, il y a une accommodation pour seulement 12 passagers à la fois, dans une grande cabine. Alors, si recommandé surtout pour un groupe de monde qui est capable de vivre bien ensemble, équipé par exemple dans l'expédition plongée, photographie, la piste ou bien les autres lavatis, et non pas pour un couple qui a envie de voyager en privé. Adventurer construit l'Angleterre environ 10 ans passés. Il laissait le bateau comme ça dans le monde et est considéré comme une partie de l'histoire maritime. Il a aussi une capacité pour produire son propre de l'eau à travers le système de salination. Il existe un bateau comme ça qui existait. Et ce bateau qui a été concevoir et construit pour un purpose, pour une fonction. Et c'était pour les challenges, ça record, faire les tours le monde, pas un bateau machine. Et challenge, casse ça record, et il fait les tours le monde, 74 jours. Et sans la compagnie qui fait sa pose, c'était la compagnie Kebenwale. Wallace. Ce bateau, qui a été construit par et financé par Kebenwale. Wallace. Et après, le temps infini. Établit sa record après que Benoît allait s'y vendre bateau avec son bon propriétaire comme il a. Adventurer peut-être un client étranger commence si loin.
Pour les transit tarif, 3000 euros par jour pour 12 personnes, avec tout quelque chose avec l'équipage. Mais pour les gens qui loin, c'est la fortune de dire qu'ils sont capables de faire l'arrangement pour un tarif plus abordable. Les clients qui prennent l'Aldabra, par exemple, pendant la journée, ils ont pris un jour pour bien dinguer pour aller aux îles et ils ont retourné le bateau pour dormir et les autres activités. Ils sont aussi capables de visiter plusieurs îles loin de l'excursion. Et pareil, sonore, l'arrivée Adventurer Cecil qui coïncide avec l'autre aventure. Adventurer, qui ensemble avec Indian Ocean Explorer Assomption, Zoo qui Indian Ocean Explorer qui quitte Assomption pour venir marrer et qui gagne pour s'asseoir. Dernier bateau qui quitte, c'était Adventurer là-bas. Et en effet, c'est après ça que la situation pirate est un petit peu critique. Et Adventurer même aide ben l'autorité locale pour transférer un peu de provision, sortir Assomption pour mener là-bas, pour transférer ben les officiers Coast Guard qui viennent leur avion Assomption pour mener là-bas. So, ils participent un petit peu dans sa bonne opération. Et l'autorité locale, il faut tout bateau sortir, évacuer d'abord l'endroit. Il y a un Adventurer, il y a un bateau Silhouette Cruise, Seabird, avec Enterprise. Tous les trois qui descendent ensemble en convoi, sortir d'abord à Vinmae avec l'officier Coast Guard d'abord armé pour porter les autres jusqu'à Mae. Adventurer nous a fait plusieurs voyages dans la région et il prend seulement trois jours pour arriver par exemple à La Réunion et Maurice. Vice-président Joseph Belmont, qui est ministre pour le tourisme, chairman STBIM, c'est Maurice Lustolalan, et directeur marketing STBIM, c'est Alain Saint-Ange, c'est parmi les premiers invités de l'Adventurer, l'est arrivé plus bonnet cette année. Zotin félicite M. La Fortune qui sont accompagnés pour son initiative, qui est l'OTATO, c'est tout pour nous, l'industrie touriste.